Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Dimanche, vous le savez très bien, la question est cruciale. Covid-19, que dit le président de la République? Sécurité, que dit le président de la République? Et quoi de plus normal d'inviter un habitué de cette émission, Félix Kabala, communicateur du président de la République, aujourd'hui élevé à d'autres fonctions que je ne voudrais pas vous dire, sauf si lui-même estime qu'il est important de vous les dire. Il répondra aujourd'hui à nos questions. C'est vrai, l'interview de la fois passée, les gens ont appelé. Non, mais Christian, tu as mis mal à l'aise, Félix. Mais je dois vous rappeler que parmi les invités que j'ai reçus dans mon émission, c'est lui qui montre, en fait, il est parmi ceux-là qui ont montré un caractère de sportivité vraiment très avancé parce qu'il ne fouille pas le débat, il puis répond aux questions selon qu'il peut. Donc c'est déjà quelque chose de très important, c'est quelqu'un qui aime la contradiction. Voilà pourquoi je préfère très souvent le recevoir. Au moins, on se fait des, comme on dit, quoi, on se fait des rentres dedans et c'est très important aussi pour nous et pour vous aussi. Félix Kabala, comment allez-vous? Je me porte bien et c'est toujours un plaisir de retrouver quelqu'un qui fait très bien son travail. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours apprécié et suivi de tous. Merci. Nous lisons les commentaires. Même la fois passée, la dernière émission qu'on a eue avec vous, les gens m'ont appelé pour me dire « Mais pourquoi il était si méchant envers vous ?» J'ai dit « Mais non, moi je ne considère pas cela comme de la méchanceté. Je le considère comme étant une personne qui fait son travail et il est dans l'impartialité. Donc, il n'a qu'à faire son travail. » Très bien. Alors aujourd'hui, il faut dire que le président de la République est la personne la plus citée dans cette affaire de Corona. Les gens attendent beaucoup de lui. Mais la grande question, est-ce que le président regrette d'avoir été président en ce moment? Le président de la République ne peut pas regretter d'être président aujourd'hui, le chef de l'État, commandant suprême de cette si grande République. Bien au contraire, le président de la République s'était préparé à ses fonctions avec tous les aléas qui allaient se présenter, mais le président de la République n'avait pas prévu une situation comme celle que nous vivons actuellement, celle qui est de cette pandémie mondiale. Parce que les gens, quand on parle de pandémie, peut-être ne comprennent pas par définition c'est quoi pandémie. C'est une épidémie qui s'étend sur une zone géographique assez large. Donc, d'où c'est un problème mondial. Même le pays qui ont les structures le plus avancées que le nôtre peine et en souffre beaucoup plus que le nôtre. Quand bien même, il faut aussi avoir sous réserve de dire que, vu qu'on n'a pas encore tous les atouts nécessaires de savoir qui est contaminé, qui ne l'est pas, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, nous attendons encore la semaine prochaine pour en savoir plus. Même là-bas aussi, en France, ou votre autre pays, je veux dire... D'adoption, mais il faut dire que tout le monde n'est pas consulté. Il y a des amis qui m'ont appelé pour dire qu'ils étaient infectés, mais ils ne sont jamais allés à l'hôpital. Donc même les chiffres qu'on donne là-bas ne sont pas des chiffres exacts sur la vérité de fait. Alors, quand vous parlez de la pandémie, je voudrais véritablement... Avec plaisir. Qu'on se livre à cet exercice assez important. C'est toujours important. Ouais. Ce sont des gestes simples, mais qui peuvent sauver des vies. Oui. Parce que les gens n'ont toujours pas compris que le mode de transmission de ces virus, qui, lorsqu'on est à moins d'un mètre, peut facilement se transmettre, surtout par des particules que nous dégageons lorsque nous toussons ou éternuons. Ou parlons même. Et ces particules, lorsque ils se dégagent, ils peuvent se reposer et résistent à plusieurs éléments de la nature. Ils peuvent se reposer sur du bois, du fer, les morceaux de tissu, sur du papier, du carton, les habits, les mains, toutes les surfaces nécessaires, naturelles que nous connaissons. Alors si nous ne posons pas des gestes barrières à des éléments si simples que ça, que nous n'avions pas avant, mais avec la pédagogie scientifique qu'on a actuellement, nous pensons que les Congolais peuvent changer d'un clic leur mentalité pour adopter les comportements responsables, dont, entre autres, le confinement, pour éviter ces virus. Vous étiez hier avec le président de la République. Il y a une rumeur qui circule que le président s'est infecté et qu'il aurait été admis aux soins à Ancelé. Mais quand vous m'avez appelé, et puis j'ai fait des recherches, que vous étiez avec le président, c'est vrai, je me suis dit, ouf!
Il est en bonne santé. Il est en très bonne et parfaite santé. Bon, vous avez raison de dire que j'étais hier avec le président. C'est tout à fait normal parce qu'il y avait déjà des rumeurs qui venaient vers vous. Et en tant que journaliste, vous étiez en train de faire des recherches lorsque je vous ai appelé. Dire que non, nous serons ensemble avec vous aujourd'hui. Et que vous vous êtes aperçu. Or, il était avec le président. C'est que le président était à l'OUA, il n'était pas à Ancelé. Ah, donc voilà, Dieu merci. Donc, nous avons travaillé comme d'habitude. Le président va bien. Le président va très bien. Sa femme va bien. Trop bien même. Ses enfants vont bien. En merveille. Ses enfants sont ici ou ils sont en Belgique? Ils sont ici. Ah, ils sont ici. Ici. Ils sont bien en bonne santé. Bien portant. Pas confinés, confinés comme tout le monde. Et les enfants du président se portent bien. D'accord. Testés aussi, positif, négatif? Négatif. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Et on a échangé hier également. Comment le président vit cette situation? Il est quand même le plus frappé, hein, parce qu'il a perdu beaucoup de ses collègues, beaucoup de ses collaborateurs, je veux dire. Et puis, très souvent, les plus proches. Comment il vit cette situation? Premièrement, c'est la personne la plus touchée de la République. Parce que vous savez, la vie est sacrée. Une vie humaine perdue de la République touche toujours le numéro 1 de la République. Un Congolais qui meurt affecte toujours celui qui est le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, son objectif, ce n'est pas de voir les Congolais mourir et surtout mourir de cette manière. Parce que c'est le corona qui est arrivé, qui provoque réellement des morts subites et des morts inacceptables. Mais face à cela, il faut une certaine sérénité, le calme, parce que traiter le problème de cette pandémie dans la précipitation ou l'agitation, c'est toute la République qui sera agitée. Alors, la tête de la République qui est le président, le chef de l'État, le commandant suprême, je peux vous garantir, avec toute humilité, le peu que je connais sur le président, ce n'est pas une personne qui va paniquer face à une telle situation, mais je peux vous garantir qu'il est très touché et il suit régulièrement l'évolution de cette pandémie ici en République démocratique du Congo. Il était le premier à faire un discours en deux tranches. Le premier discours, c'était prendre des mesures que les gens ont saluées. La deuxième, c'était pour confirmer l'état d'urgence. Aujourd'hui, lui-même, le président, comment il évalue ces mesures? Appliquées, observées ou en difficulté? Ce sont des mesures, vous savez, les trois dimensions que vous me présentez, avec lesquelles vous me présentez, c'est l'état d'urgence, les mesures qu'il a décrétées il y a sous peu. Le président de la République évolue sous trois tableaux. L'observation, l'application et les difficultés. On doit être honnête, nous ne devons pas venir ici se voiler la face. Il y a l'observation de ces mesures, on voit et on remarque que le Congolais se sont comportés, continuent à se comporter, il y a de ceux qui se sont auto-confinés. Ils ne se sont pas auto-confinés parce qu'il y avait des mesures supplémentaires, c'est parce qu'il y a des mesures du chef de l'État. Ils se sont auto-confinés en observant ce qui se passe dans le monde. Deux, l'observation. L'observation ici, c'est quoi? Regardez, c'est quoi le comportement de Congolais? Est-ce que nous devons insister, communiquer pour qu'il y ait ce vrai changement de mentalité auprès des uns et des autres, leur sensibiliser, leur faire comprendre que cette pandémie, cette épidémie existe et réellement tue. Pour que le Congolais change leurs habitudes. L'application, nous observons qu'il y a à de certains endroits la difficulté que ces mesures puissent s'appliquer totalement. Parce que la réalité de la République démocratique du Congo comme dans l'ensemble de pays africains, cette réalité ne sont pas les mêmes que celles de pays développés en Europe, certains pays en Asie ou en Amérique, le Canada et les États-Unis. Elles ne sont pas les mêmes. Il y a les bus. On a donné, le président avait décidé, par la bouche du gouverneur de province, que dans le bus, il n'y aura que moins de 20 personnes et que dans les taxis, il y aura 2 personnes. Mais c'est le contraire qui s'est fait en réalité. C'est le contraire parce que les gens continuent à circuler à 3. Et les gens continuent à prendre plus de 20 personnes dans le bus. Il y a des bars qui semblent être fermés, mais dont les gens parlent à l'intérieur. Et c'est quand même assez compliqué. Mais à la fin, on se pose la question, est-ce que le président va-t-il continuer à regarder sans agir ou il va agir
à travers les institutions de la République. Vous savez, la structure de la République. Vous savez, le président de la République, c'est quelqu'un respectueux de la loi. Et il est la première personne qui doit faire respecter la loi. Nous comprenons que les réalités du vécu quotidien congolais de foi nous mettent devant des faits accomplis. Mais cela ne voudrait pas dire que les mesures prises par le chef de l'État fera de sorte que l'autorité publique puisse reculer. Elles sont d'application. Le récalcitrant, qui continue à se comporter d'une manière irresponsable, n'auront qu'à faire à la justice, à la loi, quand ils seront frappés par cette imposition de la loi, parce que nous disons clairement, il faut une logistique adéquate pour la ville, parce que c'est la ville qui est concernée, qui est l'épicentre de ce foyer même de la propagation du virus. Et nous avons 24 communes. Ce ne sont pas toutes les 24 communes qui sont à la base de cette propagation. Il y a une commune ou deux, trois communes qui ont été identifiées, dont la première. On a parlé de Gombe, on a parlé de Kitambo et de Kinshasa. Dont la première en particulier, c'est la commune de Gombe. Il y a des mesures qui ont été prises en complémentarité des mesures principales qui ont été édictées par le président de la République à travers ces deux adresses à la nation. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tenny Ngobila, que je salue en passant, j'espère et j'ai beaucoup confiance en sa capacité de faire appliquer dans la complémentarité dans laquelle il s'est inscrit, de pouvoir faire respecter l'état d'urgence et le confinement de la commune de la Gombe pour que nous puissions contrôler cette propagation. Comment le président avait réagi quand monsieur Ngobila avait pris la décision de confiner Kinshasa et qui, par cet fait, exposait toute la ville à la contamination, mais de la manière la plus scandaleuse? Qu'est-ce que le président avait dit? Bon, moi, je ne peux pas vous dire ce que le président avait dit, parce que lorsqu'il a rencontré, il a appelé le gouverneur de la ville, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Ils ont échangé autour de cette décision. Et moi, je ne peux qu'utiliser un mot que j'utilise souvent ici. C'est un chef. Il ne va pas invectiver publiquement. Le chef, le président de la République, certainement a relativisé. Parce que s'il y avait des invectives en ce moment, les gens auraient parlé, voilà, le gouverneur serait puni, ainsi de suite. Non, le gouverneur de la ville n'avait pas une mauvaise idée. Le gouverneur de la ville ne pensait qu'à protéger les Kinois, les Congolais. Les exposant comme ça. Certainement que la technique, il y a eu une erreur technique qu'on peut adresser cette erreur technique à l'humain. Le timing n'était pas peut-être le bon, parce que ça créait ce qu'on appelle un engouement, une ruée vers un seul point. Parce que nous devons définir Kinshasa ou les villes africaines. Ce sont des villes monopolaires. Les villes monopolaires voudraient dire quoi? Toute une population converge vers un seul point, là où ils doivent trouver ce qu'ils doivent mettre en poche ou peut-être amener à la famille pour le vécu quotidien. Vous savez, quand on gère un pays, on réfléchit exactement à cela. Quand on gère un pays, on n'a pas besoin de penser que c'est une erreur technique, et tout ça. Ça, ce sont des excuses. Quand on gère un pays, on prend des mesures. On se dit, mais voilà, ça peut arriver, ça peut arriver. Est-ce que le président, parce que ce n'est pas la première fois qu'Ngobila fasse ça, la première fois, il a nommé des bourgmestres sans l'autorisation du président de la République, sans même l'aviser, en violation de toute la loi, il n'a jamais été interpellé. Est-ce que M. Ngobila est l'ami du président de la République? M. Ngobila est considéré comme un collaborateur institutionnel dans la République, qui travaille directement avec le chef de l'État, parce que c'est le numéro un de la ville de Kinshasa. Est-ce que les sentiments amicaux n'ont pas pris les déçus? Non, je ne pense pas. J'ai comme l'impression qu'on lui fait beaucoup de faveurs. Non, il n'y a pas de faveur qu'on fait au gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville est aussi conscient. C'est une personne très consciente des actes qu'il pose. Mais moi, je préfère accepter que vous puissiez nous blâmer, mais je préfère attribuer cela à une erreur technique humaine. Une erreur technique humaine peut arriver à tout le monde. Passons, c'est vrai. Alors, on continue notre entretien sur un autre point. C'est le point de ce que le président rencontre à Kinshasa, au Congo par exemple, un système médical désastreux, et il nomme un ministre qui est de l'UDPS, on va dire de cash, le docteur Eteni,
Est-ce que le président est content de son travail? Être content du travail du docteur Eteni, le ministre de la Santé, c'est une question que moi je ne maîtrise pas parce que cela tombe dans les pensées directes du chef qui sont logées dans ce qu'on appelle son pouvoir discrétionnaire. Connaissant le docteur Eteni, c'est une personne compétente et vous devez comprendre que nous devons aussi comprendre que quand il a été nommé ministre, comme tant d'autres collègues au sein du gouvernement qui sont collègues à lui directement, personne n'imaginait que cette pandémie allait atteindre le monde entier, en particulier la République démocratique du Congo également. Donc il faut quand même lui faire confiance parce qu'il est en train de travailler d'arrache-pied, de pouvoir mettre des mécanismes nécessaires qui permettent à ce que nous puissions gérer et mieux contrôler la pandémie. En appelant 20 respirateurs, en parlant de 4 ambulances, vous pensez ça, c'est comme ça qu'on va gérer l'épidémie? Est-ce que le ministre de la Santé est à la hauteur de la question de cette tâche? Quand on parle aujourd'hui d'une chaîne de télévision qui va accompagner la sensibilisation, alors il y a des questions que je me pose à un moment donné, je me dis, mais est-ce que le président suit ces informations comme nous? Est-ce qu'il ne peut pas claquer tout de suite et dire, non mais monsieur, c'est bon, tu peux aller, parce que c'est exactement ce qu'on a combattu à l'époque? Bon, d'abord, premièrement, moi je peux dire ceci. Vous savez, chacun doit apprendre à jouer sa partition. Oui. Le chef d'orchestre ici s'appelle le président de la République. Et il endosse la responsabilité. Le maestro, lorsqu'il fait ses mouvements de main avec sa baguette orchestrale, c'est tous les autres musiciens de l'orchestre qui jouent la partition pour ressortir un son agréable aux oreilles de Congolais et Congolais. Alors, lorsqu'une personne joue une partition qui n'est pas dans le temps, cette partition peut être couverte par le bon jeu, la bonne partition en grand nombre joué par les autres musiciens qui couvrent sa mauvaise partition. Je ne dis pas ici que le docteur Eteni a joué une mauvaise partition. Mais ce que vous dites plutôt, c'est que les autres... Ce qui se passe est que... Les autres ne font pas leur travail, alors, dans ce cas, parce que c'est terriblement grand, dangereux. On a comme l'impression que c'est le docteur Muyembe qui est le ministre de la Santé. Nous allons en parler. Le docteur Muyembe n'est pas le ministre de la Santé, il est le responsable de la riposte technique. Mais il prend beaucoup plus de l'ampleur que le ministère de la Santé. Je comprends, parce que le docteur Muyembe a géré une épidémie qui a tué des Congolais pendant plusieurs mois ici à Kinshasa, qui aujourd'hui... Non, c'était à Beni. Vous voulez dire à l'est du pays? À l'est du pays, oui. Excusez-moi, parce que je suis déjà emballé dans l'esprit Covid-19. Oui. Donc, voilà. Vous en faites pas. Donc, c'est une épidémie qui a tué à l'est de la République pendant plusieurs mois, qui affectait également Kinshasa, même dans son fonctionnement. Alors, le docteur Muyembe a connu un succès. C'est tout à fait normal que lorsqu'on lui donne la gestion du Covid-19, qu'il fasse parler de lui. Très bien, mais le ministre de la Santé, alors? Est-ce que le ministre de la Santé convainc le président? C'est ça la grande question. Est-ce que le président, quand il était encore dans l'opposition, et quand il pensait devenir président de la République, est-ce qu'il pensait un ministère de la Santé gérer de cette façon-là? C'est là la grande question. Bon, en ce qui concerne, je ne suis pas juge et arbitre pour dire que le ministère de la Santé est mal géré, non. Le docteur Eteni, d'abord, c'est un aîné dans le parti, pour moi. C'est un grand frère d'abord. Ah, je vois pour comment c'est impossible, c'est difficile pour vous de le critiquer. Non. Ce n'est pas que c'est difficile de le critiquer. Là où il commettra des erreurs, où il a commis des erreurs, je ne me permettrai pas de taper sur sa façon de faire les choses. Au contraire, je compléterai là où il y a un manque, pas de lacune, un manque. Le mot peut avoir la même signification, mais sa portée est différente. Je ne préfère pas dire qu'il a de lacunes, je préfère dire que là où il y a un manque, moi je m'inscris dans la complémentarité. C'est-à-dire... Et le manque c'est où? Le manque est qu'on peut peut-être voir qu'il existe un peu un manque communicationnel. Ok? Pas de lacunes, un manque communicationnel se complète par les compétences des uns et des autres. Moi je me dis simplement, jouer sa partition ici est que le docteur Eteni est le ministre de la Santé. C'est un médecin, c'est une personne compétente. Nous autres, nous sommes deux communicateurs. Nous apprenons sur tous les domaines, sans exception. Aujourd'hui, quand je suis devant vous, je suis censé répondre à toutes vos questions. Une mise en bouche est toujours nécessaire pour nous, communicateurs, pour communiquer avec le verbe receptible vers l'opinion publique.
Voilà le genre de manque que j'essaye de communiquer en ce moment. Ah, très bien, je comprends bien votre logique, mais tous on sait que le ministre de la Santé, son ministère bat de l'aile, et c'est de façon flagrante. On le sait tous que toutes les sorties médiatiques du ministre sont, si pas alambiquées, mais catastrophiques à la limite. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays qui a plus de 12 millions, disons plus de 100 millions d'habitants, une ville de 12 millions d'habitants, que le ministre dise « bon, on a quand même appelé 4 ambulances ». Je me pose la question, est-ce qu'il a pris la mesure de parler devant les gens, quand même 4 ambulances? Est-ce que le président est content? Bon, vous dites que c'est discrétionnaire, on comprend. Le docteur Muyembe, alors, dans ce cas, le docteur Muyembe qui fait une déclaration qu'on va être tous... On est candidat à ce que lui a appelé des essais cliniques pour des vaccins qui auraient été, pas qui auraient été, mais qui sont fabriqués, conçus au Canada, aux États-Unis et en Chine. Mais aucun de ces pays-là ne va tester les vaccins chez eux. Mais c'est ici qu'on va le faire. Il dit qu'on va le faire. Alors je pose la question, est-ce que le président de la République a-t-il suivi ces discours ou cette communication? Qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Est-ce que vous avez été avec lui hier? Le président de la République a suivi attentivement et il suit attentivement ce qui se passe. Et c'est la personne la mieux informée de la République. Le président de la République reste le chef de l'exécutif. C'est le commandant suprême. En ce moment, au moment où on parle, il a une casquette qu'il a revêtue, c'est celui de commandant suprême. C'est lui qui mène le troupe. La communication du docteur Muyembe, c'était un avis technique. Nous qui connaissons les réalités de la boîte, nous pouvons vous dire clairement que nous avions compris ce que le docteur Muyembe voulait dire par ce qu'il a fait comme communication. Le docteur Muyembe a émis un avis technique. Mais on va être aussi pas hypocrite et être honnête devant le Congolais, dire que cet avis technique... Je préfère l'emballer dans l'erreur technique humaine communicationnelle. Quelle erreur technique aujourd'hui? Parce que c'est un avis qui était censé être discuté en interne. Car une telle décision, c'est une décision qui dépend du ressort du gouvernement en collaboration, concertation avec le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui engage la République. Je comprends que c'est allé très vite, c'était allé comme de la traînée de poudre, et que les Congolais ont surréagi. En moins d'une heure, moins de deux heures, c'était tous les Congolais vivant à l'étranger, malgré les confinements. On a senti qu'ils n'étaient pas confinés mentalement. Ils étaient confinés physiquement, mais mentalement, ils restent très concentrés sur l'état et la situation de la République, la situation que la République traverse. Est-ce que c'est le président qui demande à Dr Muyembe de recadrer ses dires? Ou c'est le docteur Muyembe lui-même qui est recadré par la population? Vous savez, le pouvoir que le chef de l'État a aujourd'hui, c'est un pouvoir qui provient du souverain primaire. Le souverain primaire, c'est le peuple. Lorsqu'il y a une grogne, même si le président peut avoir raison, mais à cause de la grogne, le président peut mettre un projet en suspension, le suspendre, le mettre en attente, pour d'abord entendre la grogne du souverain primaire. C'est ça même, ce qu'on appelle le réflexe, le dynamisme de la politique et d'un homme politique. Le président dit quoi par rapport à ça? Cette décision, une décision pareille, ne relève et ne dépend que du gouvernement en collaboration avec le chef de l'État. Est-ce que c'est vrai d'abord? Parce que selon les informations que nous avons, le président aurait refusé à ce qu'on teste le Congolais. Comme ça. Donc, il a refusé, on apprend qu'il a dit que mon peuple ne peut pas, ce vaccin ne peut pas être testé dans mon pays comme la première expérience. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord qu'on étudie la question, qu'on essaie de voir la possibilité. Mais on est surpris, le docteur Muyembe dit le contraire, et puis tout de suite, le docteur Muyembe est recadré. Alors, les gens se disent, mais est-ce que c'est le président qui a agi en silence ou c'est le président qui a essayé de recadrer les choses? Supposons que le président a agi en silence. Supposons que le président n'a pas agi et que vous aviez vu le docteur Muyembe est revenu pour réexpliquer ses propos, vous devez comprendre que le pouvoir du chef agit d'une manière transversale, horizontale et verticale dans le sens où
une personne qui a une responsabilité telle que le docteur Muyembe de gérer la riposte contre cette pandémie mondiale qui est le Covid-19, voudrait dire que le pouvoir du chef aurait ou a agi dans le sens de responsabilité qu'a ce grand docteur virologue en la personne du docteur Muyembe, de pouvoir répondre à la grogne qu'il a vue, qu'il a lue lui-même sur le réseau, dans les réseaux sociaux. Il a agi avant que cela ne puisse prendre des proportions inappropriées. Pensez-vous que le docteur Muyembe travaillerait pour les officines internationales? Il serait derrière les grandes pharmacies ou les grands dépôts pharmaceutiques? Le docteur Muyembe a été sélectionné par le président, déniché par le président, d'où il était. Le docteur Muyembe, c'est le président qui l'a engagé, embauché. Il a fait un travail remarquable avec Ebola. Nous pensons qu'il fera un travail très professionnel également avec la gestion du Covid-19. Il ne peut pas travailler pour telle ou autre personne, parce que s'il est aujourd'hui cette personne avec cette renommée, reconnue, parce qu'il était déjà reconnu par des instances internationales, maintenant, Japon, mais oui, un peu partout. Et mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une manière transversale du docteur Muyembe, disons merci au coup d'œil du président de la République d'avoir embauché une personne compétente à la place qu'il faut. Vous essayez de ramener tout au président. Je ne suis pas au niveau du président, je suis au niveau du docteur Muyembe et son travail. Alors, moi, je ne connaissais pas le docteur Muyembe. Oui, on est bien d'accord. J'ai appris que le docteur Muyembe existait grâce au président de la République. Je comprends que je peux avoir péché par défaut de manque d'informations. J'étais censé fouiller et fouiner, chercher qu'il existe un virologue qui existait depuis tous ces temps au Congo, mais grâce à l'avènement au pouvoir du président Tshisekedi, aujourd'hui on parle du docteur Muyembe. Oui, même les fils et filles du docteur Muyembe, lorsqu'il se présente quelque part, on dit « je m'appelle par exemple Nestor Muyembe ou Patrick Muyembe », on regarde « ah, tu es le fils du docteur Muyembe », on le respecte par rapport à la notoriété qui lui a été communiquée en lui confiant les responsabilités. C'est qu'il savait bien faire, c'est sa réputation, disons, c'est sa compétence, il est compétent. Bon, voilà, ah oui, c'est sa compétence. Le président était obligé de le prendre. Mais écoutez, le président n'était pas obligé de le prendre. Le président a préféré le prendre. A préféré le prendre par rapport à son parcours. Oui. Très bien. Alors, c'est vrai que cette histoire de Covid-19 dérange beaucoup de personnes. En France, on a vu le président français rencontrer les deux autres anciens. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a rencontré Kabila? Bon, je pense et j'espère que le président Tshisekedi, c'est une personne habituée à dialoguer. Comme c'est une personne habituée à dialoguer, j'estime, je ne peux pas être dans la tête du président, mais je pense qu'il est la seule personne mieux placée de comprendre le temps, l'opportunité, l'utilité de pouvoir parler à tel ou à un autre. Et vous pensez que ça a marché comme ça? Mais écoutez, lorsqu'on consulte largement ou on parle avec d'autres acteurs politiques, ça démontre la capacité, la grandeur rassembleur de la personne du chef de l'État. Et le connaissant, il ne sera pas contre cette idée de pouvoir parler avec certains acteurs politiques qui pourront apporter une contribution à ce que lui a déjà placé comme fondation. Ou alors il a peur, ou l'autre a peur de lui parce que tous ses conseillers sont parti du COVID, du corona, et qu'on a peur de lui aussi. Le président n'a jamais peur. Non, je dis l'autre. L'ancien président, oui. Le sénateur Kabila. Oui. Non, je ne pense pas. Très bien. On a terminé la partie de la pandémie. Très bien. Alors là, vous pouvez souffler. On a terminé l'autre partie. On va prendre une autre partie qui est beaucoup plus difficile. C'est la sécurité maintenant. La sécurité du pays, c'est vrai qu'il faut rappeler que depuis un certain temps, comme je l'ai dit hier dans une autre émission, curieusement, il n'y a plus d'ADEF, on n'entend plus ces gens-là. Curieusement, depuis que le corona a attaqué tout le pays, bon, tout le monde est revenu à la normale. Il n'y a plus de tuerie à Béni, plus rien, plus rien. Est-ce que le président a compris un peu le sens de la question? Est-ce qu'on a compris maintenant qu'en réalité, c'était des autres qui nous menaçaient, quoi? Vous savez, c'est une observation très pertinente. Merci. Et face à une observation pareille, il faut être très prudent dans nos déclarations.
parce que ça peut vite se retourner contre nous. C'est vrai que cette pandémie dérange tout le monde. Même les plus grandes puissances du monde, même les plus grandes agences de renseignement du monde, la CIA, la Mossad, tout le monde est dérangé. Personne n'a vu venir ces trucs. Et personne ne l'a vu venir. Alors, je me pose deux questions également. Ok. Est-ce que les terroristes aussi, dans leur coin, se sont dit, si on s'expose, on risque à pouvoir attaquer. On peut nous aussi attaquer. On peut aussi. Moi, je comprends bien. Ils se disent, mais attendez deux secondes, ce truc n'a pas d'antiballe. Hein. Il faut éviter le truc parce que tu vas attraper un rebelle comme ça. C'est un peu étonnant. Bon, les terroristes se disent aussi, si les États qu'on attaque ne sont pas épargnés par le Covid-19, à plus forte raison, nous, terroristes, vaut mieux se réserver. Rester dans nos casernes et attendre que ça passe. Alors, moi, je me pose la question, si eux tombent malades, qui va les soigner finalement? Comment ils vont dire qu'ils sont infectés? Ils seront autodécimés par leur propre turpitude. Nul ne peut se prévaloir de cette propre turpitude. Oui, je crois aussi. Alors, ils comprendront qu'il est grand temps de quitter le terrorisme, de rallier la cause qui est celle de l'intérêt général. Bon, cette accalmie qu'on peut observer, moi je peux dire que l'armée a les quitus du commandant suprême de ratisser large pour faire régner l'ordre, la paix, la sécurité à l'intérieur de nos frontières comme au-delà de nos frontières. Très bien. Mais il y a un autre point sur la sécurité, c'est Gédéon Kyungu qui est finalement apparu. Je rappelle que c'était un ancien, on va dire, seigneur des guerres, rebelle, comme vous voulez, mais qui a été ovationné par l'ancien régime, ovationné par lui, parce qu'il est sorti de la prison avec un cortège, c'était applaudi par tout le monde. Et là, placé en résidence surveillée, et puis on apprend tout ce que l'on apprend. Qu'est-ce que le président se dit? Je vais vous dire clairement, sans mâcher le mot, Gédéon Kyungu sera traqué. Il est traqué, sera poursuivi, même dans ses retranchements. J'aimerais dire une chose ici. C'est un récidiviste. D'abord, ce n'était même pas quelqu'un qui était censé être gracié. Ou peut-être mis en résidence surveillée. Sa place était dans la prison. Il devait croupir dans une prison. Alors, aujourd'hui, nos observations nous donnent raison. À l'époque, nous étions encore dans l'opposition. Gédéon Kyungu n'est pas un homme à part. Gédéon Kyungu, c'est un Congolais, mais qui a choisi la voie du terrorisme. Ce que Kyungu, Gédéon fait, c'est du terrorisme. Un pays ne négocie jamais, un État ne négocie jamais avec les terroristes. Pourtant, vous les laissez en liberté. Un État traque les terroristes et les anéantit. Pourtant, vous les laissez en liberté. Il est aujourd'hui en cavale. Il est en cavale, nous le reconnaissons, mais nous allons le traquer. Mais qui font vos services de sécurité? Nous allons les traquer, c'est ce qui est en train d'être fait. Vous savez, il y a certaines questions qui relèvent de secret défense, parce qu'il y a certaines personnes qui, en connivence, entre guillemets, avec un certain soutien, je ne sais virtuel de qui, on ne peut pas commencer à dire ici devant la place publique ce qui est fait pour le traquer. Mais je vous dis clairement que Gédéon Kyungu sera arrêté. Et vous allez réussir à l'arrêter? Nous allons réussir de l'arrêter. C'est la détermination du chef de l'État. Certains députés sont contre la poursuite de Gédéon. Ils appellent à la retenue, mais ils disent que c'est plutôt de la tracasserie. Moi, je pense que ces députés qui sont des élus du peuple doivent reconsidérer les termes qu'ils utilisent lorsqu'ils font des sorties médiatiques pareilles. Vous savez, on peut être conciliant dans beaucoup de domaines, on peut apaiser, relativiser dans beaucoup de domaines, mais quand il s'agit de la sécurité, de la défense nationale, surtout la sécurité des citoyens congolais, c'est comme si on blessait le premier citoyen de la République en la personne du chef de l'État. Ce n'est pas négociable. Et j'en appelle à la retenue à ces députés qui pensent qu'il existe un État katangais. Peut-être virtuellement dans leur tête, il n'existe pas un État katangais. On reviendra sur un État katangais. Il n'existe pas de Congolais d'origine katangaise. Il n'existe que de Congolais. Point barre. Et ces Congolais sont
de telles provinces sont des telles ethnies, on reste tous congolais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vos services de renseignement ne sont pas au courant, ou vous pensez qu'ils font semblant de ne pas être au courant? Parce que M. Gédéon a un téléphone, donc il communique avec des gens. M. Gédéon a des amis, il a des copains, mais comment jusque-là, dans sa ceinture, personne n'a été inquiété, personne n'a été interpellé, et sa communication a resté comme ça, ses revenus téléphoniques, je veux dire son bilan téléphonique, on ne l'a pas réquisitionné. Alors, est-ce que vous avez vraiment envie de l'arrêter? Vous savez, je ne ferai pas ici le travail de la sécurité, de travail de renseignement, parce que, comme je vous ai toujours dit, je suis un garçon très prudent. Je n'aimerais pas être convoqué à la CNS pour qu'on puisse m'entendre. Vous savez, quand on parle de la sécurité nationale... C'est un mauvais endroit, tu sais. C'est le pire des endroits où un homme peut se retrouver, la CNS. Non, c'est un endroit... Je te dis. C'est un endroit... Si tu es invité là, il faut avoir des... Non, mais franchement, c'est non, moi, je n'aurais pas peur d'être invité à la CNS. Si je suis invité à la CNS, c'est que j'ai glissé quelque part. Exactement. Dans mes propos... peut-être que je me suis comporté d'une manière indécente et que la CNS, dans ses prérogatives, aura le droit de m'entendre. Quelqu'un m'a dit, hein, pour mes, je vous relance, quelqu'un m'a dit, il est aux États-Unis, il dit, Christian, si tu viens en Amérique, là où on ne peut pas t'inviter, il faut faire attention pour que tu n'invites pas là-bas, c'est l'FBI. Il ne faut jamais qu'on t'invite là-bas, parce que si on t'invite là-bas, on sait quand on va, mais on ne sait jamais quand on sort. Et parce que quand on sort, généralement, ce n'est pas à la maison qu'on rentre, c'est en prison qu'on y va. Donc, faites très attention. Et là, depuis, mais c'est un coucou à toute l'équipe de la CNS. Ils font un travail remarquable, il faut très le dire. Très bon travail. Très remarquable, très bon travail. Mais il faut continuer. Il faut féliciter la personne qui a la tête de la CNS. C'est monsieur, je crois... C'est monsieur François Béat. Monsieur François Béat, très bien. Il fait un bon travail. Il a quand même des décisions sur les avions, ainsi de suite. Très bon travail. Très bon travail. Nous sommes très confiants. Je ne l'ai dit pas pour qu'on m'invite pas, mais j'ai dit que ça avait un bon travail. Mais moi, si je ne l'ai dit pas pour ne pas être invité là-bas. Parce que moi-même, il faut s'autodiscipliner. Ouais. La République n'est pas une république bananière. C'est une république qui est édictée par des lois. Et ça, c'est la norme supérieure qui est la Constitution. Il faut jeter de fleurs sur ses côtés au président de la République, parce qu'au moins, il a réussi à humaniser ces services-là. Parce qu'à l'époque, quand on vous invite... Eh bien, vous savez jamais comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, les gens qui sont partis m'ont dit... Ils sont traités d'une manière humaine. Traités de façon humaine. On vous donne une chaise, vous asseyez. On vous pose même des questions, vous répondez. C'est bien, je dis bravo, mais je n'ai pas envie d'expérimenter cette histoire. Même si on offre des gâteaux et des sucrés, je n'ai pas envie. Pas du tout. Non, c'est pour blaguer en tout cas. Non, oui, mais je comprends, mais le conseiller spécial, c'est une personne bien. Oui. Mais très sérieux, très sérieux quand il faut faire son travail. On va dire ça. Donc, il sait se mettre à sa place et nous le respectons à titre valeur. Il est conseiller, n'est-ce pas? Il est conseiller. Conseiller spécial. Monsieur le conseiller spécial, je vous aime bien, mais je ne voudrais pas répondre à une de vos invitations. Alors, on va terminer cette question. Mais, alors, il y a, c'est vrai, la question d'aussi Némonansemi. Est-ce que vous pensez que le président a encore la fibre de l'opposition pour se mettre un peu à la place de l'opposition? Des opposants, ils se disent, mais bon, il peut encore raconter ce qu'il veut, mais vous voyez, je suis un opposant. Si je commence à arrêter les opposants, les gens vont dire que je suis retourné contre eux. Est-ce que le président se donne cette image où il pense qu'il est un président de la République et donc il doit s'assumer comme président? Quand quelqu'un insulte le chef de l'État ou quand quelqu'un insulte le pays, il faudrait quand même qu'il y ait des réponses. Vous savez, il existe des services compétents, des instances compétentes en la matière, qui sont là pour observer tout ce qui se passe. Ce n'est pas au président de la République de s'élever chaque matin, dire « voilà, j'ai entendu tel m'a insulté, tel a parlé contre la République, allez le voir ». Les instances compétentes qui estiment que la bonne marche d'un État passe par le respect mutuel et le respect des lois, sans entraver à la liberté d'expression, de mouvements, des circulations, de biens et services, l'on pense qu'une personne qui déroute, qui déraille de sa voie, si cette personne viole le principe de la norme supérieure, les instances compétentes sont là pour faire leur travail. Et là, quand ils font leur travail, ils le font en âme et conscience. Et là, c'est la CNS encore qui rentre en jeu. La CNS
a sa présence d'une manière, elle est omniprésente. Et même omnipuissante, omnipuissant aussi, omnipuissante, on va dire ça. Omnipotent, on va dire ça. Il faut, vous savez, il faut quand même un degré d'autorité pour faire respecter les normes de la République. Ouais. Quand on cite la CNS, ça ne doit pas faire plaisir à certaines personnes. Les criminels devraient en principe être inquiétés. Ça ne doit pas faire plaisir à certaines personnes. Parce que quand tu entres à la CNS, prépare la batterie de réponses à toute une série de questions qui te seront posées il faut que ce soit d'une manière répétitive et sous plusieurs formes. Ouais. C'est ce qui est, et si tu n'es pas fort mentalement, tu entres, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas y ressortir. Ce n'est pas qu'on va te torturer, mais on va te garder un endroit sûr où tu peux boire de l'eau, tu peux avoir un gâteau, tu peux manger, mais pour qu'on puisse éclaircir les horizons, il va falloir que certaines zones d'ombre qui n'ont pas été éclaircies par tes réponses puissent trouver des réponses adéquates. Et pour Nimon Assemi, vous répondez quoi à la fin? Le président, qu'est-ce qu'il dit? Il a été stoppé net et juste dans ce qu'il a voulu faire. On a interdit des rassemblements de plus de 20 personnes sur la place publique. Alors, il avait entravé à ces principes. Alors, entravant à ce principe, la force de la loi devait s'appliquer. Le président et son neveu, il paraîtrait. C'est le dire de Moine Ansemi. Il dit qu'il aime bien le président, mais il est son neveu. Tu es aussi le neveu du président. Non. Tu es aussi son neveu. Je suis son concitoyen, moi. Tu es son concitoyen, ouais. Tu peux aussi te considérer dans le terme de la fraternité africaine comme son neveu. Je suis son déco. Le sang qui coule dans le corps du président coule dans le mien aussi. Exactement. Ouais. Et donc, ce qui fait que... Parfois, on ne refuse pas que Nemo Ndansemi puisse appeler le président son neveu. Son neveu. On ne refuse pas, il est libre de dire... Petit, tu sais qu'il dit. Petit. J'ai dit petit. Est-ce que le président a pris ça pour une blague? Parce qu'à un moment donné, quand il est con, petit, tu sais qu'il dit. J'ai dit, si tu n'avais pas épousé une femme, tu viens épouser au Congo central. Est-ce que je me dis, mais comment le président a trouvé ça? C'était de la blague? Ça amusait la galerie ou bon? Non, mais bon, moi, je pense que ça pouvait être considéré comme lancer des boules de cristal en l'air. Hein. Ouais. Vous voyez, lorsqu'on a des gens dans les cirques qui veulent amuser la galerie, ils peuvent... Vous voyez un peu ces jokers de personnes, des clowns lançant de boules de cristal. Je ne dis pas qu'il est un clown. Donc, je prends l'exemple des objets qu'un clown utilise. Bah, lui, il répond direct. Hein. Il va vous donner 48 heures de répondre, de vous demander des excuses. Sinon, il va vous je ne sais pas comment il dit. Non, je ne m'amuserai pas à jouer du jet au chat, du chat et de la souris avec les leaders de Nekongo. Donc on respecte les leaders de Nekongo. Je respecte la sensibilité de l'organisation qu'il dirige en tant que président de son organisation. Sauf que s'il a certaines revendications, il peut toujours les canaliser par des voies officielles pour lesquelles d'ailleurs je félicite le président du SANSA, Joseph Olengankoy, qui est allé plusieurs fois le voir, le faire raisonner, le remettre vers la raison. Qui est utile de comprendre que non, écoute, nous sommes dans une république, il y a des instances compétentes qui peuvent traiter tes revendications, voici la voie à emprunter. Coup de chapeau au président du SANSA, Joseph Olengankoy, et tous les autres collaborateurs du chef de l'État qui se sont déployés pour aller vers Nemo Ndansemi, parce qu'on ne veut pas créer une crise qui n'a pas tout son fondement et sa substance. Très bien, on va terminer cette émission, mais avant de la terminer, je voudrais que vous puissiez nous dire exactement comment le président, qu'est-ce que le président, disons, c'est quoi la leçon qu'il a retenue par rapport à Covid-19? Est-ce que ça lui a encore raffermi? Est-ce que ça a encore donné au président, ça a encore raffermi son amour pour le pays? Est-ce que ça a encore raffermi sa détermination pour construire ce pays, pour équiper les hôpitaux? En fait, qu'est-ce que le président s'est dit par rapport à cette maladie après? Cette maladie, cette pandémie mondiale, nous la considérons à trois dimensions, sanitaire, sécuritaire et économique. De ces trois dimensions découlent d'autres sous-dimensions. Pour comprendre c'est quoi les lacunes de la République, c'est quoi le manque de la République, ou mieux travailler pour mieux organiser la République, ça raffermit, ça renforcer l'affection et l'amour que le chef de l'État a pour cette grande République qui a la capacité de changer
les vies humaines ici et au-delà de la République. Merci beaucoup, Félix Kabala. Je rappelle que vous êtes le communicateur du chef de l'État et que vous êtes membre de l'UDPS aussi. Effectivement. Comment je peux vous laisser partir sans cette question de l'UDPS? Allez-y. Le camp Kabound et les camps des professeurs, que je salue tous de façon distincte, en tout cas, le président Kabound, je le salue. Le caucus de professeurs, je le salue aussi. Le président se situe où? Du côté des professeurs, du côté de M. Kabound ou du côté de la loi, c'est-à-dire les statuts du parti? Très bien. Ça, je ne commenterai pas du tout. J'aimerais dire ceci. Dans un parti politique, il y a toujours deux courants. Il y a de ceux qui sont à gauche, il y a de ceux qui sont à droite, il y a ceux qui sont au centre. Moi, je suis respectueux de la hiérarchie du parti. Je suis également respectueux des tendances des uns et des autres par rapport à leur opinion. Le professeur Chilumbu, Peter Kazadi, Jacques Chabani, le professeur Mata, Chilumbaï, monsieur, j'ai oublié encore ce nom, Monsieur Zachary Kenda. Mais je dis une chose, la hiérarchie reste la hiérarchie parce que c'est une hiérarchie reconnue par rapport au statut du parti. En tant que centriste, je suis du camp de ceux qui aiment que tout le monde puisse dialoguer. Qui voudrait dire le président de la République est un rassembleur. Il est aujourd'hui chef de l'État au-dessus de la mêlée, au-dessus de partis politiques. Il ne faut pas que le président de la République puisse se mêler des affaires de partis politiques pour trouver la solution là où il a les responsabilités de l'État. Le président de la République aime des personnes qui, lorsqu'ils viennent chez lui, lui apportent le problème et les solutions. Oui, mais maman, la question est simple. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce conflit? Le dialogue. On va dialoguer avec la loi ou on va dialoguer avec les textes? Les responsables du parti doivent dialoguer. Et s'ils estiment qu'ils viendront le voir, ils vont remplir le protocole, respecter le protocole établi. Et si le président a le temps de recevoir les cadres de son parti, personne ne lui empêchera de le faire. Ils viendront le voir en temps et en heure. Mais nous devons comprendre que le président de la République est préoccupé profondément à la gestion du Covid-19. J'espère que l'UDPS a toujours surmonté des montagnes. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui au pouvoir qu'on n'arrivera pas à surmonter nos difficultés. L'UDPS aurait pu voir le jour et mourir au même moment de sa création. Mais calculons, de 1982 en 2020, les péripéties que l'UDPS a traversées. 38 ans, il paraîtrait. 38 ans, parlons de 38 ans, parlons de 4 décennies, même 40 ans. Les péripéties traversées par l'UDPS. Qu'est-ce qui n'a pas été jeté au sein de l'UDPS? Bombes, grenades, virtuelles comme physiques. Là, c'était ailleurs, c'était les autres. Mais là, c'est vous entre vous. C'est entre nous. Même quand on était dans l'opposition, on avait aussi des problèmes entre nous. De violations des textes? Les violations des textes, ce sont des invectives qui existent entre les uns et les autres. Moi, je n'aimerais pas pointer du doigt qui que ce soit pour dire que tel a violé les textes, tel ne l'a pas violé. Est-ce que c'est le président qui entête M. Kabound? Le président n'entêtera personne. Est-ce que c'est le président qui soutient les caucus de professeurs? Le président soutient tout le monde. Et or, quand on soutient tout le monde, on ne soutient personne à la fin. Le président soutient le dialogue et le compromis, que les gens puissent s'entendre, apporter la solution à la crise qui existe. Mais cela ne veut pas dire que l'UDPS est morte, que l'UDPS est faible. L'UDPS a toujours été forte lorsqu'elle traverse des moments difficiles. Merci beaucoup, Félix Kabala, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je sais, vous m'avez forcé de parler de l'UDPS, là où je n'étais pas censé le faire, mais je le fais par sportivité, fair play démocratique. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été très nombreux. Si vous avez aimé l'émission, dites merci à toute l'équipe. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Mbote nabiso nyoso. Likama et kolilimbo kanabiso et zaliyoto kanakite. On ne s'était pas préparé à cette calamité. Cette saloperie de virus nous a terriblement abattus. Aujourd'hui, les gens vont aller dans le confinement.
Les gens se préparent pour le confinement. Mais il y a une catégorie à bateau. Confinement, ils ont concerné Bango Penza Mingité parce qu'ils ont représenté l'IOA pour la Bango. Tant que vous êtes dans mon éloque, vous êtes comme ça, vous êtes en route. Vous êtes en ticket, vous êtes en train de faire la vie. Naba pa kanabisho otobenga ka mibangi. Ezali ba kategori oyo bazana makoki ona te. Toyoki sango ke confinement ekoya. Po yango ndeza salutaire na moment oyo. Mais est-ce que zo kanisa bana wana bakolia nini? Basio bakufela mibali bakosala ndenge nini? Bakuvivre ndenge nini? Bana ya balabala bakuvivre ndenge nini? Ba kategori ya bato wana baza pe mo ebele otobosani. Baza bato lelo bazana besoin soutien na biso. Nous devons montrer que nous avons la solidarité, un élan de solidarité. Voilà pourquoi tu es pas dans la courte vidéo où tu es bien au boué. Bande koa na bazana ba voté, ba ko lobe la bango bazate. Ba ko pesa bango loko bazate. Ba confiné bato, moi ba ba bi ma pesa sauté. Nous avons la possibilité et recouta na bato wana. Voilà pourquoi nous vous invitons, il y a beaucoup tant élan de solidarité auto sali. Et ali plateforme na biso comme nango Congo be soutien. Na minute yo tozo soutenir bandeko bazana ba difficulté. Là nous sommes en train de voir 10 orphelinats auto répertoriés na ville ya Kinshasa. Na deux hommes de vieillards. Biso dona makoki nyonso te. Voilà pourquoi nous faisons appel na bino. Ozana mbongo na yo, ozana loko sa na ngote. Tu penses que tu peux aider les gens, aider. Ce n'est pas la première fois tout ça les locaux. Tout ça qui na ma province nyonso ya la province nyonso ya Congo, on était à l'Équateur, on était partout, vous avez vu, on était na Katanga, tout ça qui na ba Congo, bomona ki ba biloko to sala ka déjà parce que nous estimons que il n'y a qu'en donnant que l'on peut compter recevoir. Alors kotika la sceptique te ko kanga muté maté, ça la geste na yo. Numéro na biso ya M-Pesa, eza bomoni affiché na CA. Na ba compte na biso pe nyonso eza wana, mais si vous pouvez nous appeler pour nous faire parvenir don nabino et que ça la biso un très grand plaisir. Nous allons apporter la vivre to komema, ba gel to komema, ba savon to komema, un peu ba biloko ba ba masque na ba gants pour na ba ndeko wana ba dans na ba pe ko se protéger. Mais ceux qui yo za na makoki okoba que c'est la biso un plus na o dozo ko no pisa bango et que ça la paix important. Mais tous ceux qui wana te, ceux qui osa pe na temps au lingu accompagner biso pour que tout que nous réconforter bande koana pour leur dire que cette saloperie ya virus et que kabola biso te vous allez bienvenue benga biso na numéro wana parce que dans peu de temps on va descendre sur terre tout ce qui est temps il y a temps où pour nous contribuer massivement et plutôt organiser descente na ba 10 orphelinats wana on a besoin de faire plus mais on n'a pas assez de moyens. Toutes les personnes de bonne volonté, ma personne physique, ma personne morale, ma député, ma ministre, ma président de la République, président de la République, Sénat, Assemblée nationale, tout le monde qui veut aider Bissot dans ce qu'on est en train de faire, faites-le. Pas seulement l'argent, mais même physiquement, on en a besoin. Puisse Dieu bénir son peuple, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Sous-titrage Société Radio-Canada.